Comment sont-ils arrivés là? Trois obus de la Première Guerre mondiale ont été retrouvés ce matin dans un fossé à Tours, le long du Cher, près de l'aire d'accueil des gens du voyage. Un périmètre de sécurité a rapidement été mis en place, nécessitant l'évacuation de plusieurs dizaines de riverains. Plus d'explications avec Aurélie Renaud. Trois obus d'artillerie de marine. Chaque obus pèse plus de 300 kilos. Les engins ont été découverts par les régisseurs de l'aire d'accueil des gens du voyage lors de leur tour des lieux quotidien. Ce matin, ça a été la surprise. Quand j'ai vu les pointes, je me suis dit ça, c'est pas des bouteilles de gaz. Et du coup, on a constaté que c'était des obus. Et là, on a fait passer l'information. Est-ce que vous avez eu peur pour vous? Au départ, non. C'était surprenant de les voir là, mais eu peur, non. Aussitôt, un périmètre de sécurité est mis en place dans tout le quartier. Les familles vivant sur l'aire d'accueil évacuent les lieux. On a pris les enfants, on a paniqué, on est parti avec les enfants sur la route. On a monté d'un véhicule et on a parti. On s'est mis dans un parking. Après, on a revenu, il y avait moins de policiers. Et ils nous ont dit qu'il y avait des mineurs qui allaient venir. J'ai vu qu'il y avait les gendarmes, tout ça. Puis ils arrivaient là, ils ont dit d'évacuer, on a évacué jusqu'à midi. Puis ils arrivaient là, on a vu les mineurs aujourd'hui. Puis apparemment, c'est pas dangereux. C'est pas risqué, on va dire. Selon les démineurs de La Rochelle, ces obus datent de la Première Guerre mondiale. Ils sont inhabituels par leur grande taille, plus d'un mètre, et par leur présence ici en Touraine, car ce sont des engins qu'on retrouve sur les côtes, car tirés depuis des bateaux. Les engins proviennent sans doute d'un trafic de métaux. Les obus ont certainement été refusés par l'acheteur, car trop dangereux, et donc abandonnés par les trafiquants.